Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew Motorfest. Et les gars, dans cette vidéo, eh bien écoutez, je vais tout simplement vous présenter un petit tuto, on va dire. Ça s'adresse surtout aux débutants, ceux qui arrivent dans le jeu, tout ça. C'est dans le but de farmer les pièces moteurs, les pièces performance, pour maxer le plus rapidement possible trois catégories. Donc avec cette astuce, vous allez donc pouvoir maxer l'hypercar. Après, vous allez pouvoir maxer également Street tier 1 ou 2. Voilà, on peut choisir ou l'une ou l'autre. Après, on pourra maxer le Rally Raid et on pourra maxer également l'hypercar. Donc alors, de suite, je vais vous montrer déjà dans un premier temps ce qu'il faut faire. On va sur le pilote. Après, là, on va dans les points légende. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 20 points sur Goldfinger et 5 points sur Chanceux. Donc, là, les Goldfinger, comme vous voyez, augmentent le taux d'apparition du loot de 40%, hein, avec les 20 points. Et là, bon, bah, par contre, on ne peut pas maxer ça, mais voilà, ça augmente la qualité du loot de 10%. Ça veut dire que grâce à ça, vous allez pouvoir plus facilement avoir des pièces légendaires, vous savez, les pièces jaunes. Voilà, donc ça, c'est vraiment le but recherché, c'est d'avoir vraiment notre full set en jaune. Donc, ok. Donc, pour ça, on est bon. Maintenant, je vais vous montrer de quelle activité il s'agit. Donc, de là, on va dans toutes nos épreuves, on va aller du côté des électriques. Et regardez, alors, je vais vous montrer vite fait. Là, regardez, on gagne 18 000. Là, dans celle-là, on gagne 16 000. Là, 7 000, 11 000, 15 000, 13 000. Et la dernière, on gagne 22 000. Donc nous, c'est bel et bien cela qui nous intéresse. La course dure aux alentours des 4 minutes. Donc, alors, on va valider ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se TP dessus, histoire de gagner du temps. Hop, triangle. Voilà, de là, on arrive ici, on valide l'épreuve. Alors maintenant qu'on est là, on va dans les paramètres de l'épreuve. On fait conduite irréprochable. Donc ça, c'est important. Ça vous sert à gagner un peu plus d'argent si vous ne touchez pas les obstacles, par exemple les panneaux, les poteaux, les barrières. Au moins vous touchez d'obstacles, au plus vous gagnez de bucks en plus des récompenses de votre course, bien évidemment. Donc ça, on valide. Alors maintenant, pour ce qui est des options de difficulté, donc vous allez dedans, ben, vous pouvez mettre tout simplement ce que vous voulez, les gars. Moi, je suis sur 3, mais vous pouvez mettre par exemple 21 si vous êtes des machines de guerre, ou si vous êtes vraiment des débutants, vous pouvez mettre le minimum. De toute façon, ça n'influe en rien votre qualité et votre nombre de loot. Ça influe uniquement sur votre XP. Et regardez, par exemple, si je me mets à fond, 5 sur 5, on est à 14 000 d'XP. Et si on se met sur le 1, donc mode vraiment débutant, on a 12 000. Donc ça fluctue de 2 000 points d'XP, c'est pas énorme. Donc moi je me mets là au milieu, mais vous allez voir que la course est quand même relativement facile. Donc moi ce que je vais faire, donc maintenant vous voyez tout en haut là à droite, on a véhicule. Donc moi je vais vous montrer les véhicules que je prends, libre à vous de prendre les véhicules que vous voulez. Donc moi je vais prendre la Porsche, alors je vais vous montrer vite fait. J'ai mis des pièces, vous voyez par exemple celle-là, il faut favoriser ce style de pièces-là. Donc là, vous faites pavé gauche de votre tactile de la manette PS5. Hop, et vous voyez, là, on a chanceux, donc augmente la qualité du loot de 12%. Donc ça, c'est important d'avoir ça. Donc dans les tiers 2, tout à l'heure, j'avais pris la Nissan GT-R. Alors, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai niveau pièce. Vous voyez, j'avais mis vraiment tout ce qui est loot. Bah, regardez, hop, on valide. Donc chanceux, et après on a Goldfinger, donc ça c'est voilà, augmente le taux d'apparition du loot. Donc voilà, il faut vraiment favoriser ces affixes là, donc chanceux et Goldfinger, pour vraiment avoir un maximum de pièces et de récompenses moteurs à la fin de votre course. Donc comme j'ai dit, vous pouvez faire ou en tier 1 ou en tier 2. Alors moi, vous savez quoi, je vais pas m'embêter, j'avoue que je maîtrise mieux, hop, celle-ci. Voilà, donc je vais prendre celle-là. Et après, là, c'est pareil. Hein. Là, je vais prendre la Tempesta. Donc, ça, c'est pour ceux qui étaient sur The Crew 2. Vous, vous l'avez. Ceux qui arrivent sur Motorfest directement, vous, vous ne l'avez pas. Par contre, et là, vous voyez, j'ai également essayé de mettre beaucoup d'affixes pour récompense perf moteur. Allez, de là, on est bon. On valide et on est parti, les gars. Vous allez voir, la course, franchement, elle est ultra stylée en plus. Elle dure 4 minutes, comme j'ai dit. Allez, go les gars, c'est parti. Donc comme vous voyez, on n'a pas de noces tout simplement parce que c'est une épreuve voiture électrique. Donc là, il faudra rouler dans les couloirs spéciaux. Vous savez, ceux qui rechargent l'électricité et ceux qui rechargent en fait le NOS, tout simplement.
Allez. Donc là, vous allez voir, une fois qu'on aura passé les véhicules, après, on sera plus du tout bloqué par eux. On aura, on sera libre jusqu'à la fin de la course. Donc voilà, là, on recharge le NOS, hop, on les double, et de là, on est tranquille. Ils vont plus nous embêter jusqu'à la fin de la course. Hop, voilà, on est pas mal. Allez, ok. Là, c'est fini, ils nous rattrapent plus. Là, hop, on a un petit couloir pour recharger. En bas, on a le saut. De là, hop, joystick en avant, NOS. Avant d'atterrir, joystick en arrière pour redresser la voiture. Ça nous permet d'avoir un peu plus de vitesse. Allez, de là, hop, ça tourne les gars. Faut tourner un peu avant ici, sinon vous êtes sûr de vous manger la barrière. Et on osse. Voilà, là, on passe sur le street race. Donc au moins vous touchez les poteaux comme j'ai dit tout à l'heure, hein, au moins vous touchez les poteaux, tout ce qui est barrière, tout ça, et au plus vous allez gagner de bucks à la fin de votre course. Vous voyez, sur la droite on a conduite irréprochable, bon je vous le dis de suite, une course en faisant zéro dégâts c'est quasi impossible, mais bon vous arrivez à prendre facilement des 5000, des 6000, hop là ouais ça tourne un peu, allez on est parti. Ouais, c'est sûr que du coup, je suis plus concentré sur ce que je dis que sur ce que je fais. Allez, on a 36% de la course. Vous allez voir, c'est quand même ultra rapide. Hein. Et à la fin, ça va être juste insane le nombre de pièces qu'on va gagner, les poteaux. Hop, voilà, petit raccourci. Et franchement, les musiques et tout, elles sont ultra style. Hein. Allez, de là, on reprend un peu NOS. Voilà, bah, j'ai pas réussi à maxer le truc, mais bon, tant pis. Là, il va falloir faire gaffe, les gars. Le virage qui arrive, là. Il va falloir bien freiner, ici. Et de là, on repart. Allez. Voilà, et après, du coup, on aura le dernier petit parcours, là, la fin de course en hypercar. Là, vous allez voir, ça va dérouler de ouf. Ça va aller super vite. Alors si vous mettez des véhicules de tiers 2 à la place de tiers 1, vous irez encore plus vite. Hein. Donc du coup, vous terminerez la course encore plus rapidement. Donc vous pourrez et maxer le tiers 1 et maxer le tiers 2. Ah ouais, merde, c'est vrai que j'avais mis la fixe là qui fait un son moteur de ouf. Et du coup, c'est un peu ennuyeux, je pense. Bah là, j'ai tiré un câble. C'est un peu ennuyeux pour les vidéos, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Allez, on recharge à fond. On osse. Ouais, c'est vrai que ça souffle énormément. Hein. Allez! Bah, j'ai pas la meilleure des conduites pour le coup. Tant pis. Alors, tout à l'heure, je faisais des courses parfaites. Dès que je suis en vidéo, je fais des trucs pas ouf. Allez! Voilà, là, il faut que ça déroule, les gars. Là, il faut envoyer du steak. Tout le temps à fond. Là, ça recharge sur la gauche. Ok. J'ai touché, super. Allez, de là en os. Oh, j'adore cette musique, les gars. J'adore les musiques qu'ils nous ont mis sur The Crew. Motorfest, franchement, c'est la tuerie. De là, on a fini les poteaux. Nos à fond. Et boum. Ok, alors comment j'ai fait? Bah, c'était pas fou. Hein. Ouais, 4-0-3, c'était pas fou. Tard, j'ai fait 3-56. Avec un véhicule de tiers 2 sans trop forcer les poteaux, hein, sans trop forcer, j'avais vraiment pas un véhicule adapté. Mais bon, comme j'avais les pièces sur ce véhicule, j'avais fait avec celui-là. Donc de là, ok. Donc on est sur du 4 minutes, hein, aux alentours de 4 minutes la course, comme j'ai dit. Donc on valide ça. Alors regardez, on prend donc 12 000, 13 000, 13 000 d'XP, 22 000 dessous, 27, ouais, quasiment 28 000 de bucks. Ok, et maintenant le plus important, c'est ça. Donc 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et normalement 18. Voilà, 18 pièces pour une course de 4 minutes. Donc comme j'ai dit, c'est ultra rentable pour maxer vos catégories si vous ne l'avez pas encore fait.
Bah non, c'est sûr que si vous avez déjà maxé vos catégories, bah vaut peut-être mieux faire d'autres courses. Mais on va dire que vraiment, dans le but de maxer vos 3, enfin 4 catégories, du coup, vu que vous allez maxer et tier 1 et tier 2, et bah c'est ultra, ultra rentable. Voilà les potos. Bah voilà les amis, alors avant de conclure, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez d'autres techniques de farming, ou pour les pièces, ou pour les bugs, ou pour l'XP. Et du coup, si votre technique est intéressante, pourquoi pas la faire dans une prochaine vidéo. Les potos, j'ai fini. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à présent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez me rejoindre donc sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Discord, vous avez ma chaîne Twitch, mes partenaires Instant Gaming, Burn Controller, vous avez tout dans la description. Les gars, le petit burn final avec la Tempesta. Je vous dis bon game à tous et à plus les amis, à plus. Allez, ciao !